Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont deux applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneur et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est LE partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Calando, cofondateur de Samboat, la plateforme de location de bateaux entre particuliers. Il est aussi parti d'un constat, un bateau est en moyenne utilisé 10 jours par an par son propriétaire. Or, entretenir un bateau a un coût et la location est bénéfique aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire qui souhaite vivre une expérience unique. De l'économie collaborative comme on les aime. On revient sur son parcours, sa rencontre avec son associé Nicolas Cargou, le lancement de Samboat, l'importance de l'écosystème, des rencontres qui lui ont permis de développer Samboat et de la valeur que peut apporter un entrepreneur à la société. Un bel échange détendu qu'on aurait presque pu faire sur le bassin à bord d'un bateau. Belle écoute à tous. Salut Laurent. Salut Théo. Et merci d'avoir accepté mon invitation sur Le Pompon. Avec plaisir. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir, donc Laurent Calando, j'ai 31 ans et je vis à Bordeaux. Ok, très bien, parfait. Et t'es cofondateur de Samboat, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour le coup ? Alors Samboat, on appelle ça vulgairement le Airbnb du bateau. Ouais. On est une plateforme de location de bateaux entre particuliers, mais aussi on propose des bateaux qui viennent de flottes professionnelles. Ok, ça marche, parfait. Donc l'idée, j'aime bien de voir le parcours de la personne que j'interview. T'es originaire d'ici ? De Paris. De Paris, mince ! Ok, d'accord. Ah non, c'est parce que t'avais un bateau ou tes parents ? Mais, voilà, j'ai fait le lien un peu rapidement. Ouais, on peut dire, ouais, pour faire des raccourcis de la région, parce que ma famille vient de la région. Ok. On avait en fait un voilier ouais. Sur le bassin d'Arcachon et on s'en servait 2 à 3 fois dans l'année et le reste du temps on passait à l'entretenir, à le réparer, à faire l'hivernage et à payer. Et c'est là où je me suis dit mais pourquoi pas vendre ce bateau et en louer un quand on en a besoin. Et c'était impossible à l'époque de louer un voilier sur le bassin d'Arcachon. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée en voyant tous ces bateaux au corps mort qui ouais. ne servaient jamais, me dire bah et pourquoi pas utiliser le bateau du voisin, okay. Moyennant une contrepartie financière bien entendu. Ok, bon ça marche. On va voir un peu tout le processus de comment l'idée était venue. Comme je disais, j'aime bien comprendre le parcours. T'as fait des études à Troyes. Exact. C'est ça. Bien vu. École d'ingénieur à Troyes, l'UTT, ouais. Ok, d'accord. Pourquoi t'avais fait ces études? Qu'est-ce que... T'avais déjà une idée en tête de ce que tu voulais faire ou pas forcément? Pas du tout. C'était plus opportunisme par le fait que j'avais des facilités dans les matières scientifiques. Ouais. J'ai pris la meilleure école publique qui m'a accepté tout simplement. Et effectivement, c'est plutôt une bonne école où c'est post-bac, donc c'est parti pour 5 ans d'études basées beaucoup sur le système de d'université américaine. Mmh. Où on choisit en fait ses matières en fonction de ce qu'on aime. Okay.
Et notamment, par exemple, j'avais fait une UV, une unité de valeur, qui était professeur de sport, et j'avais fait professeur de planche à voile. Ok, énorme. Le mec de 3, c'était assez drôle. Parce que t'as toujours été attiré, pour le coup, par la mer, quoi. Quasiment par le bateau, sur un bateau. Et okay. Ouais, toujours, depuis gosse, on m'a foutu sur un bateau, le pied marin. Dès que t'as pu avoir ton permis bateau, tu l'as passé. À 17 ans, avant mon permis moteur, avant mon permis, voiture, conduire, ouais. Mon permis de conduire voiture, j'ai passé mon permis bateau, et première chose que j'ai fait, louer un bateau. Foncer dessus. Ok, donc t'as toujours été au taquet là-dessus. Ah, donc après tes études, tu fais un master en quoi? Pendant une école d'ingénieur mécanique. Ok, ça marche. Conception mécanique. Ouais. Donc, l'idée, c'était de concevoir des pièces, des engins, des trucs en simulation 3D, etc. Et de les produire après, en industrie. Et après ça, j'ai voulu m'orienter sur un profil un peu plus vers un poste un peu plus commercial. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un master à l'IAE de Paris. Ok. Que j'ai fait en alternance chez Total. Ça marche, c'est ça ce que j'avais vu. Effectivement, en 2012-2013. Comment ça se passe chez Total? C'est bon, alors pour le coup, c'est là où tu rencontres. comment ça se passe chez Total? J'ai fait un entretien pour une alternance là-bas et j'ai rencontré donc la future responsable pour le poste et la personne qui était là avant moi à ce poste et on s'est très bien entendu avec cette personne si bien que ça en est devenu mon associé qui s'appelle Nicolas maintenant et qui est mon associé où en fait je l'ai remplacé à son poste, il m'a formé sur ce poste, on s'est lié d'amitié. Lui, par sa formation, avait fait une école de digital et d'entrepreneuriat. Okay. Donc, il m'a branché sur toute la partie start-up digital et conso collaborative. Ouais. J'avais un appart à Paris, j'ai commencé à le mettre en location quand je payais mes vacances, mes week-ends, etc. Et on était vachement branchés là-dessus. Et en fait, c'est un peu le mariage de nos deux passions qui a fait naître la concrétisation vraiment du projet, quoi. Ok. Parce que lui, le côté bateau, il n'avait pas du tout. Ok, donc c'était effectivement, comme tu dis, le mariage des deux, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est hallucinant, et qu'on soit rencontrés dans un entretien d'embauche comme ça. Donc j'étais là pour le remplacer. Ok. Et donc tu fais un an chez Total? Exact. Ok. Et c'est après, à la fin de ton alternance? Et à la fin de notre alternance, lui était en CDD chez Total, et on voyait qu'il n'y avait pas forcément des opportunités hyper importantes chez la filiale dans laquelle on était chez Total, et on s'est dit pourquoi pas chercher autre chose, trouver autre chose, et puis il y avait ce projet là qui a commencé à faire de plus en plus mouche dans nos têtes, et au fur et à mesure on s'est dit pourquoi pas, on a le chômage en plus grâce au CDD et à l'alternance, et on s'est dit pourquoi pas lancer ça, c'était un peu une idée, une folie, un projet fou. Et c'est quel est le déclic où tu dis ok, on peut lancer le projet, quoi? Ok, on peut y aller et en faire notre métier, parce que souvent c'est ça le truc. Des gens qui ont des bonnes idées, je crois qu'il y en a quand même beaucoup, mais qui se lancent et qui la concrétisent, il y en a un petit peu moins. Donc à quel moment tu dis allez, c'est bon, quoi. Il y a eu un élément déclencheur, c'était le concours des 101 projets lancé par Xavier Niel, Simon Sini et le gars de vente privée, où ils avaient fait un appel d'offres, en gros, apporter votre projet de start-up. On en sélectionne 300, 300 qui vont pitcher devant eux, et dans ces 300, il y en aura que 101 qui seront sélectionnés. Okay. Donc on a envoyé notre dossier, notre deck, comme on dit, et on a été sélectionnés. Donc c'est là où on s'est dit, on tient quelque chose. Si un jury de personnes quand même bien qualifiées sur le sujet ont retenu notre attention, c'est que il y a peut-être quelque chose qu'on contient. Donc on s'est dit, c'est parti. Allons-y à fond, on se donne les moyens. Il y avait 5000 euros en plus à la clé, après si on gagnait devant le pitch, devant eux. Ouais. Et donc on s'est dit, c'est parti, on se lance.
Et pas de chance, on n'a pas été sélectionné parmi les 100, donc on avait une chance sur 3. On se dit, ça peut passer quoi. Et non, on s'est, on n'a pas retenu l'attention. Ok. Est-ce que tu vois ce qui allait pas à ce moment-là? C'était le même projet par rapport au. C'était Samboat, sauf que ça s'appelait WeBoat. D'accord. c'est ça. Le nom n'était pas bon, c'est ça. On s'est foiré là-dessus. Et c'était notre premier échec d'entrepreneur, c'est d'avoir cet ascenseur émotionnel, de se dire je suis sélectionné, mon projet intéresse, et en fait et on avait même été sélectionné, il y avait des articles qui parlaient déjà de nous en disant on faisait partie des favoris de ce concours-là. Ça doit faire bizarre quand même, parce que même si les médias disent ils ont des chances de gagner, et tu te retrouves. Ouais, et on n'a pas été. Et ça vous a pas dit en fait c'était bien, mais peut-être pas si bien. Si, bien sûr, on se remet en question. Ouais. Et surtout, on avait besoin de ces 5000 euros pour lancer tout le tralala, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'économies, quoi. Ouais. Et ça nous a mis un coup, mais. On a tellement été confiants au moment où on a été sélectionné au début, et on a tellement mis tout le monde en ordre de marche où on avait énormément de feedback positif. On s'est dit on continue, on va voir ce que ça donne, et sur un malentendu ça peut marcher. Et comment se passe le tout début alors? Vous commencez que tous les deux. Est-ce que vous créez déjà une plateforme? On était tous les deux à Paris. Ok. Mon associé aussi venant de la région, vous souhaitez revenir dans la région, on cherchait un incubateur pour avoir des bureaux et surtout avoir tout le réseau un peu sympa de start-upers, etc. Et on a postulé à l'Auberge Numérique, AEC, et on a été sélectionné, donc un incubateur subventionné par la région qui est gratuit et qui nous permet d'avoir des locaux pour un an et en plus un accompagnement sur mesure. Ce qui est génial. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que l'Auberge Numérique, c'est ici. Ah ouais? C'est le local dans lequel on est. Okay. Ils ont déménagé à la Cité Numérique, donc des locaux plus grands. Ouais. Et nous, on a récupéré tous leurs anciens locaux. Énorme. Donc là, on a commencé sa boîte. C'était une petite salle là-haut de 12 mètres carrés. Qui maintenant est la salle carrée. Et la salle qui sert à rien. C'est la salle sacrée. On n'a pas le droit d'y rentrer. C'est énorme. Ah bah c'est cool. Donc ça, c'était un gros déclencheur. Bah, se dire, on a été sélectionné parce que bien sûr, il y a beaucoup de dossiers qui sont envoyés à l'incubateur. On a été sélectionné. Et on a été tout de suite intégré dans cet écosystème de start-up hyper sympa. Et c'est là où on a rencontré Laure de Jeustock, Adrien Benoît de Yescapa. Moi, je m'étais tellement connecté avec Adrien qu'on a décidé même d'habiter ensemble et qu'on était colocataire au début de l'aventure. C'était assez drôle parce qu'on mettait vraiment même la sharing économie à notre niveau personnel en partageant même un appartement. On est dans la bonne économie collaborative de bout en bout là. Total. C'est canon. Et pour le coup, qui vous a un peu inspiré dans ce côté économie collaborative? Parce que c'est un moment où Blablacar commençait déjà à fonctionner quand même plus que correctement. Est-ce que c'est eux qui vous ont inspiré? Il y avait Blablacar, il y avait Drivey et WeCar, qui étaient un peu les nouveaux entrants qui commençaient à prendre vachement de poids. Ouais. Il y avait Airbnb à l'époque où c'était un peu un épiphénomène, où c'était un truc d'une communauté très 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 restreinte. Et après les frères, les cousins bordelais comme Yescapa qui ont eu rapidement un succès, tout comme Jeustock qui a très rapidement pris dès ses premières années. C'est ce que c'était alors, hyper inspirant d'être aux côtés vraiment de la vie réelle d'entrepreneurs dans leur bonheur comme dans leur galère, de voir que ça pouvait marcher et tu pouvais construire toute une équipe autour de ça, quoi. C'est génial. Moi, j'adore le fait. Maintenant, t'es le troisième pour le coup, en plus de Laure et Benoît. Donc, je trouve ça génial de voir l'évolution des trois pépites en même temps, quoi. Enfin, c'est canon. Ouais, c'est hallucinant. Et nous, on est encore plus proche de Yescapa parce qu'on est dans le même milieu du tourisme. Ouais, en plus d'être sur des véhicules dont le propriétaire est très attaché et qui sert aussi de vacances itinérantes, un peu comme sur un voilier. Et c'est assez hallucinant de voir qu'au début, et même encore, notre progression et notre croissance sont très très proches. Ouais. On a vu que en termes de volume d'affaires, on était à 5% près
l'année dernière, par exemple. Ok. Donc c'est juste qu'on a deux années de décalage par rapport à eux. Ils sont lancés deux années avant, avant nous. Mais quand on voit ce qu'ils font, bah en fait, on, c'est le futur pour nous. C'est, ouais, bon, on c'est les plutôt, voit dans c'est deux plutôt ans, cool alors. Ouais, enfin, bon là, t'as eu le confinement, ce qui a un peu changé la donne en termes de voilà de chiffres, mais c'est ça va en termes de progression. Ouais, c'est hyper bon encourageant et surtout hyper intéressant pour voir toutes les étapes de la vie d'une startup parce que c'est pas du tout le même métier en fonction de l'évolution. Ouais, c'est clair. Oh, bah, c'est génial. Et donc ouais, donc vous êtes à l'auberge numérique. Ça se passe comment? Enfin, plutôt bien, apparemment. Hyper bien dans un écosystème très sympa. On était avec aussi Monsieur T-shirt. Ouais, qui est une méga boîte aussi après. Donc, plein de, voilà, un écosystème hyper actif, hyper, hyper vif et hyper solidaire aussi. Et là, bah, on a monté le site web, on l'a fait faire par une agence. Donc, on a une première version de site, forcément. Qui marchait pas comme comme ce qu'on voulait, mais ça nous a permis d'avoir nos premiers clients, de convaincre nos premiers propriétaires, de voir qu'on répondait à un besoin des propriétaires de pouvoir amortir les frais de leur bateau, pas d'en faire une vache à lait, mais juste d'amortir les frais de son bateau. On avait aussi une assurance qu'on a réussi à négocier, c'était à l'époque avec AXA, qui nous permettait de nous couvrir à la journée pour la période de location. Ça c'était un élément clé aussi de du lancement. C'est clair. Et puis bah, nos premiers clients qui ont commencé, qui ont entendu parler de nous par la presse ou par le bouche à oreille, qui ont commencé à louer, à utiliser la plateforme. Okay. Et le premier jour, on a eu la première mise en relation. Ça y est, c'est magique. Champagne. Ça marche, quoi. Notre idée farfelue, elle répond à un besoin précis. Il y a des gens qui vont l'utiliser. Ok. Et c'est là où c'était dingue. Et c'était quelques jours après la sortie de la plateforme qu'on a eu déjà nos premières réservations. Et après, tout s'est enchaîné hyper rapidement. On a fait parler de nous très rapidement par la presse, par le bouche à oreille qui a marché très bien. Ouais. Et ça a gonflé. On a fait un télématin, par exemple. La télé qui est énorme audimat comme cette émission-là, ça nous a donné un énorme boost et c'est là où la machine s'est vraiment lancée. Okay. On a commencé à prendre de plus en plus de monde dans la société. Au début, on n'avait que des stagiaires, mais on commençait à envisager nos premiers contrats, etc. Mm-hmm. Donc c'est là où, ça a vraiment pris. On s'est dit, au bout de la première année, waouh, quoi, on a fait d'attraction, on a eu un intérêt pour notre concept. C'est pas que du vent, c'est pas qu'une idée dans nos têtes. Ça répond à un véritable besoin. Mmh. Et ces premiers éléments de traction, même si on a un chiffre d'affaires ridicule, montrent que ça peut se développer. Ouais. Et c'est là où on s'est dit bon maintenant faut passer à la vitesse supérieure, faut qu'on refonde ce site, faut qu'on staff, faut qu'on avance. Et c'est là où on a décidé de lever des fonds. Au début on l'a fait en crowdfunding, en equity, donc toujours dans la consommation collaborative. On faisait appel à n'importe qui pouvait investir dans la société. Vous cherchez combien à ce moment-là? C'était 200 000 euros. Ok. Malheureusement ça a pas du tout pris autant qu'on espérait. Okay. On pensait que notre communauté allait être beaucoup plus présente, qu'on allait avoir beaucoup plus d'intérêt. Et au final, on a réussi à lever que 50 000 sur les 200 000. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui nous a permis de faire un premier start. Mm-hmm. Et après, on a contacté en fait des business angels, des investisseurs dont c'est le métier, pour investir dans la société. Okay. Et là, ça aussi, ça a plutôt bien pris par contre, parce que on était sur une approche beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus quali, des gens qui connaissaient un peu mieux le secteur. Mm-hmm. Et ça nous a permis de compléter la levée de fonds. Donc on a fait 250 000 euros de levée de fonds et c'est là où on a mis le pied sur l'accélérateur. Et, et l'année d'après on a fait x14 par rapport à ce qu'on avait fait avant. Tu démarres de tout petit, forcément c'est clair. C'est énorme, ouais, parce qu'au début, j'avais vu sur les premiers mois, vous passez, vous avez 100, ça va hyper vite, la croissance en termes de... Et ça se passe comment au niveau d'offres et demandes au début? Est-ce que vu que vous avez une... Enfin, est-ce que les deux vont pair ou... Au début, on n'a rien. Au début, on se bat pour aller chercher les bateaux les uns après les autres. On appelle tout le monde, on appelle des listes de propriétaires, on va sur le terrain, on demande à tout le monde de jouer. T'attends, t'es au port, là, t'attends tranquillement, t'as fait ça? Ah oui, on allait au port, on allait tracter sur le port, on allait rencontrer des gens sur le port. On s'est vraiment bougé sur le terrain. On a la chance d'avoir le bassin d'Arcachon à côté, ça va vite, quoi. Et après la demande est arrivée au fur et à mesure et rapidement on s'est retrouvé avec beaucoup plus de demandes que d'offres. Mm-hmm. Et finalement, les années après passant, on a réussi à de plus en plus à équilibrer et maintenant on a presque plus d'offres que de demandes. Cool. C'est hyper cool et on se rend compte que
notre plus grosse peur au début, c'était un propriétaire ne laissera jamais son bateau à un inconnu. Et on se rend compte, c'est ce qu'on disait avec les appartements avant, jamais quelqu'un sera prêt à laisser des étrangers dans son appartement. Et bah, au fur et à mesure, ça a changé, les mentalités ont évolué. Et maintenant, c'est presque la norme de louer son bateau quand on s'en sert pas, parce que c'est une évidence. Et d'autant plus que une voiture ou un autre objet, un bateau a la particularité d'être extrêmement coûteux par son entretien et tous les frais annuels, et un objet dont on se sert très peu. En moyenne, c'est 10 jours par an. Donc c'est absolument ridicule. Et ça fait cher la journée, quoi. Ça, c'est pour les bateaux actifs. Il y a des bateaux qui ne bougent pas de toute l'année. Ils ne font que coûter au propriétaire. Ouais, c'est pour ça que sur le bateau, c'est encore plus une évidence qu'il faut le partager, en fait. Et puis, après, surtout, ce qui est cool, c'est que vous avez fait une levée de fonds aussi avec la Maïf. Et qui est devenu un partenaire, j'imagine. Enfin, je sais pas comment vous avez géré tout ça. La Maïf, on l'avait contacté parce qu'on cherchait un nouveau partenaire assureur pour avoir une couverture un peu plus complète, en fait, de la location. On est tombé sur la Maïf qui se lançait là-dedans, avec qui on a co-construit un produit hyper bien, qui était assez disruptif sur le marché, parce qu'il n'existait pas ailleurs. Et le feeling est tellement bien passé qu'ils nous ont dit, nous, on aimerait bien aller plus loin et devenir partenaire, et potentiellement partenaire financier. Donc, c'est pour ça que on n'était même pas en levée de fonds, mais on a eu cette opportunité-là d'avoir des fonds supplémentaires. Quand on était en phase de croissance où fallait justement mettre les bouchées doubles pour encore plus continuer, accélérer notre croissance. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés au capital assez rapidement, sans même qu'on ait à avoir d'autres investisseurs à mettre en compétition. Ça a été eux directement. C'est beaucoup de chance. C'est clair. Parce qu'au final, t'as pas. Enfin, si vous avez dû pitcher, j'imagine la première fois, mais c'est différent d'aller chercher des fonds, pour l'avoir fait, aller chercher les business angels one by one et les convaincre pour avoir 2000 euros des petits montants. Là, c'est clair que le ratio temps montant est beaucoup plus avantageux, même si quand même on a eu des audits assez nombreux par tous les pôles de la Maïf, pôle financier, comptable, juridique, etc., où ils sont pas faciles, ce sont des assureurs. Et on est passé aussi devant tout le comité de direction de la Maïf, donc tous les directeurs de la Maïf qui ont dû approuver le projet avant d'investir. Donc on avait quand même du beau monde à convaincre dans cette histoire. Et donc vous, alors, quel est en termes d'équipe, vous grandissez comment? Quelles sont les premières personnes que vous recrutez? Et comment ça se passe en termes de co-gestion sur tout ça avec Nicolas, enfin, comment vous gérez Les premières personnes qu'on a recrutées, c'était surtout pour gérer les opérations, donc en fait c'est le service client, donc gérer toutes les réservations, pour faire de l'acquisition aussi de propriétaires, donc aller démarcher les propriétaires. Et après, on s'est réparti les rôles avec Nico. En fait, on est tous les deux CEO, on est tous les deux directeurs. Moi, je suis directeur de la croissance et lui, il est directeur des opérations. Donc, je m'occupe d'aller chercher des financements, de la croissance, etc. Et lui, il fait tourner la boîte comme une horloge. C'est pas commun. Mais on se rend compte que ça marche bien parce qu'on est complémentaires sur énormément de points. Ce que j'avais dit, l'épisode 0 où je parle justement de moi, j'avais commencé une boîte avec un pote et on n'était pas complémentaires. On faisait la même chose différemment, ce qui n'a pas fonctionné. Donc le côté complémentarité, c'est essentiel, ça c'est clair. C'est canon. Et j'ai oublié aussi, dans les premiers recrutements qu'on a dû faire, c'était surtout un développeur pour pouvoir avoir la technologie en interne, parce qu'il n'y a rien de pire que de l'externaliser son produit, c'est la tech. Donc c'est très bien pour commencer, quand tu veux grandir, tu as besoin de quelqu'un interne. C'est clair. Ok, bon, canon. Et donc c'est en 2016 que vous levez 1 million. Tout à fait. La Maïf. Donc ça c'est canon. L'idée c'est d'accélérer, accélérer pour recruter et être encore plus leader en France, ou déjà se développer à l'étranger. Vous étiez peut-être déjà développé d'ailleurs. Commençait à peine à prendre en France et c'était accéléré surtout notre croissance française en commençant à avoir des budgets marketing, chose qu'on connaissait pas. Tout devait être gratuit, tout ce qu'on faisait, donc en allant des budgets, en faisant des investissements, et puis aussi sur la tech qui était primordiale, donc les développeurs
qui coûte excessivement cher aussi. C'était les premières étapes de ce financement et aussi pour initier notre développement international, même s'il a commencé à s'opérer plutôt en 2018. Ok. Alors qu'on a eu l'investissement. Un peu plus tard que ce que vous imaginiez, non? Parce que j'avais lu que vers 2017, vous vouliez avoir l'Europe et enfin. Exactement. On avait commencé à essayer à faire du bricolage pour que ça marche international. On se rend compte, non, international, c'est pas du bricolage. Faire bien, propre et entièrement. Donc, avoir un site entièrement traduit, et pas que traduit, mais même adapté, qui s'adapte aux réglementations, qui s'adapte au fonctionnement des personnes. Ouais. Donc, c'est vraiment une autre approche que juste une simple traduction. Faut avoir les équipes derrière aussi, toutes les équipes d'acquisition, d'opération, etc. en multilangue. Ouais. Donc en fait, c'est un boulot qui est bien plus gros et qu'on avait complètement sous-estimé au début. C'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps pour se développer à l'étranger. Et vous commencez par quel pays ? On a commencé par l'Espagne. Ok. Parce que avec une grosse flotte. Parce que ouais, une grosse flotte, le pays plus proche, un pays très touristique aussi. Ouais. Donc ça a rapidement pris l'Espagne. Et après, on a développé une offre rapidement européenne puis mondiale parce que on se rendait compte que on avait plus de limites avec le digital et qu'on pouvait essayer de démarcher des bateaux partout dans le monde du moment que les personnes parlaient anglais, allemand, espagnol ou italien, ça pouvait marcher. Donc c'est là où on a commencé à construire une flotte beaucoup plus importante et aller chercher par contre des locataires selon les langues en fait. Donc les pays anglophones qu'on allait chercher en Europe, donc c'est l'Angleterre ou les pays scandinaves, on a eu tous les pays germanophones et l'Italie aussi qui sont un pays plutôt local, qui vont louer en local, là où les pays nordiques vont plutôt louer en Méditerranée. Ouais, c'est ça, plutôt vers le sud, quoi. Exactement. Okay. Et donc vous, l'ouverture d'un pays, vous gérez ça d'ici? Tout est opéré d'ici. Ouais. Ok. On a en fait un country manager qui est le sort de directeur du pays, qui est en sorte d'analyser le marché et après de développer un plan de route qui permet de nous faire connaître là-bas, de développer le marketing, d'adapter le site, d'adapter les fonctionnements, de développer la flotte. Donc c'est vrai, on a chaque fois un directeur qui s'occupe du développement d'un marché. Ok, ça marche. Canon. En 2018, vous rejoignez un gros bébé, un très très gros sur le marché, Dream Yacht Charter, je sais pas comment on dit exactly. Exactly. Donc c'est le plus grand loueur de bateaux dans le monde. Comment ça se passe? C'est eux qui vous approchent? C'est vous qui leur faites coucou? Au début, c'est plutôt nous qui se sont dirigés vers eux parce que on voulait intégrer leur flotte sur Sunboat quand c'était ouvert en 2018 aux professionnels. Tu peux nous dire ce qu'ils font aussi? C'est une flotte qui est un peu différente de la vôtre entre guillemets. Ouais. Nous, on avait essentiellement des bateaux de particuliers. Ouais. Eux, ce sont les plus gros loueurs de bateaux dans le monde où ils achètent des bateaux. Okay. Ou alors ils ont des clients qui achètent des bateaux et eux les opèrent, c'est-à-dire qu'ils les mettent en location. Ils ont des bases partout dans le monde en fait. C'est une boîte hyper internationale, hyper bien implantée dans le monde et mettent les bateaux en location. Mais c'est pas le type de bateau qu'on avait l'habitude de trouver sur Sunboat, qui étaient des petits bateaux à moteur ou des petits voiliers. Là, on est sur que des voiliers, des catamarans habitables qui font entre 10 et 18 mètres. Des unités à 1 million, à 500 000, à 1 million d'euros. On est sur des unités beaucoup plus grandes pour un autre type de location, mais qui viennent compléter l'offre qu'on avait actuellement. Donc au début, c'était surtout un partenariat commercial, nous on va commercialiser vos offres, on va les proposer au travers de la plateforme parce que on a une forte demande aussi de clients qui souhaitent louer ce type de bateau à la semaine. Et puis au fur et à mesure des discussions, on leur disait notre projet, comment on voyait en fait le futur du nautisme. Le nautisme était en train d'avoir une révolution, c'était digital. 10 ans après la voiture, 10 ans après le logement, etc. Ça arrivait dans le nautisme. Mais du coup, ça arrivait encore plus rapidement. Et que avant, pour réserver un bateau, il fallait aller sur le port ou connaître quelqu'un ou appeler ou aller sur Minitel, j'en sais rien, envoyer un fax.
On s'est dit quand même au 21e siècle, bah ça se fait plutôt avec une app, avec un site web, comme quand on réserve un hôtel ou une voiture ou un avion. Ouais, c'est ça. C'est plus rare d'aller en agence ou d'aller sur place pour le faire. Quoi. Ouais. Donc c'est ce discours-là qui sur lequel bah, ils étaient hyper attentifs parce qu'ils voyaient le vent tourner, cette stratégie, enfin cette fracture arriver. Et se sont dit, bah ça peut nous intéresser, on était en cours de levée de fonds, ça peut nous intéresser de participer au tour de financement. Ouais. Donc on a commencé à intensifier un peu les échanges, à ouvrir en fait la boîte. Et au fur et à mesure des discussions, on a compris qu'ils voulaient prendre une part majoritaire dans la société. Mmh. Et puis à la fin, nous ont dit bah, qu'ils souhaitaient acquérir la totalité de la société. Ok. Donc, tu vis comment ça? Enfin, on n'était pas du tout prêt à ça. C'est pas du tout ce qu'on recherchait. Tu passes à vouloir un partenariat et en fait ils nous rachètent. Alors ça doit faire un peu comme à la manif. C'était un partenariat aussi commercial et après ils ont voulu investir, sauf que ils ont fait l'étape d'après. Quoi. Ouais. Donc au début on n'était pas du tout prêt et surtout ce qu'on a voulu, ce dont on a voulu s'assurer, c'est qu'on était bien en phase avec la stratégie, avec ce qu'on voulait en faire, pour pas qu'on fasse un projet qui capote et qui intègre Sambot et qui détruise en fait Sambot. C'est toujours le risque quand tu te fais racheter. Et là, on avait vraiment une vision partagée avec notamment Loïc Bonnet, qui est le président de Dreamhold Charter. Et on s'est mis d'accord sur un plan de développement, sur un budget qui nous permettait de garder Sambot autonome par rapport à ce groupe Dreamhold Charter, cet industriel qui achète, vend et loue des bateaux, où c'était important d'avoir une marque séparée avec un fonctionnement séparé pour garder notre agilité et notre capacité de développement importante en fait. Okay. Et surtout être en mode startup aussi. Exactement. Qui change, enfin, tout, j'imagine, en termes de développement, c'est, Voilà, eux, Dreamhold est sur une boîte qui est en forte croissance, qui fait 15-20% de croissance à peu près par an. Donc c'est énorme pour un industriel de cette taille. Là où nous, on était sur nos 100% de croissance par an ces dernières années. Donc forcément, c'est pas le même fonctionnement on est toujours en fonctionnement startup chez Sambot, quoi. Et donc ça vous apporte quoi de les avoir? Ça nous apporte de la connaissance. Ouais. On connaissait pas ce milieu de la location longue durée sur des belles unités et de qui est une industrie qui existe depuis un moment. Ça nous a permis de comprendre comment elle fonctionnait et eux vraiment nous ont mis à disposition des personnes et du savoir pour qu'on s'améliore là-dessus, pour qu'on progresse et puis pour qu'on prenne des parts de marché sur ce marché qui est en train de se digitaliser. Okay. Et en plus de ça, bien sûr, il y a eu un apport financier dans l'entreprise permettant d'accélérer sa croissance. Ok. Et ça a donné quoi en termes d'accélération de croissance sur, donc ça fait 2 ans, là, hein, c'est ça? Ouais. Bah là, l'année dernière, on était sur 60% de croissance. Ok. Sur l'année dernière. En termes de chiffre d'affaires? Ouais. Donc pas mal. Donc, ouais. Bah, quand on commence à approcher, quand on fait plusieurs dizaines de millions, ça commence à être sympa. Ça commence à être sympa quand on a 2 chiffres. Ouais. Canon. Et donc, quoi, ça vous apporte un côté beaucoup plus international que si vous n'aviez pas été avec eux. C'est ça l'idée aussi, quoi. Et bien sûr, parce que par leur implantation vraiment worldwide dans les endroits les plus paumés, exotiques du monde. J'avais entendu à Bora Bora, c'est ça? C'est hallucinant le nombre de bases qu'il y a. Et oui, ça nous permet de mieux réussir notre développement international. Et là, notamment dans les choses plus pratiques qu'on va faire, bah, c'est que on va avoir des corners vraiment Sambot dans les bases Dreamhold. Donc c'est pour montrer, voilà, on fait partie du même groupe et on complète l'offre Dreamhold aussi, où eux proposent des bateaux habitables. Avec Sambot, tu peux aussi louer des petits bateaux pour la journée, pour faire du wake ou d'autres activités. Okay. Donc c'est très complémentaire aussi. C'est clair. Carrément, moi c'est canon ça. Ouais. Et l'idée aussi, ce que j'ai vu en termes de concurrence, le plus gros concurrent c'est Click and Boat. Exact. C'était, j'imagine pour vous aussi une stratégie de vous associer avec, enfin d'être racheté, c'est ça? Racheté par eux. Ça fait aussi partie de la stratégie pour être et rester numéro 1. Exactement. Ouais. Parce que qu'est-ce que vous différenciez avec Click and Boat? Vous faites exactement la même chose? Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on est très proche sur la proposition de valeur.
Une des grosses différences, c'est que nous, on est axé plus sur la qualité de service et l'innovation. Notamment, on va proposer, par exemple, le contrat dématérialisé. Il n'y a plus besoin d'avoir un contrat papier, ça se fait sur l'application. On est au 21e siècle. et chose folle, on était les premiers au monde à faire ça. Ah ouais? Personne ne faisait un contrat de bateau sur une application. Enfin, je trouve ça fou. Donc, c'est cette approche un peu plus innovante qui va nous différencier en essayant d'apporter plus de valeur aux clients. On propose des assurances caution, par exemple, parce que une caution sur un bateau, c'est extrêmement cher. C'est par exemple 3 000 euros. Ouais. Au moindre pépin, ça coûte hyper cher les réparations sur un bateau. Bah là, nous, on propose des assurances qui permettent de couvrir en cas de problème sur la location. Et un autre point aussi qui est assez important, c'est le réseau de boat captain qu'on a construit. Okay. On s'est rendu compte que si les bateaux étaient si peu utilisés, c'est que les bateaux et les propriétaires n'étaient pas à proximité de leur bateau. Je crois que 70% des propriétaires de bateaux habitent à plus de 100 km de leur bateau. C'est énorme. Oh, les pauvres pendant le confinement, là. Pas de chance. Donc, s'ils sont pas là, ils peuvent pas non plus le mettre à disposition pour un locataire. Ah bah ouais. C'est pour ça qu'on a construit, en fait, un réseau de concierges qui va faire la prise en main du bateau avec le locataire. Donc, il y a tout le nettoyage, la prise en main, la signature du contrat, tout l'accompagnement du locataire au départ et au retour de la location. Okay. Et en même temps, ils apportent en plus des services complémentaires comme la surveillance, l'entretien du bateau. Ils peuvent s'occuper entièrement du bateau de A à Z sans que le propriétaire ait à le toucher. C'est un service que vous avez proposé rapidement ou... Au bout de 2 ans. Ouais, au bout de 2 ans, ouais. Ok. Et au début, c'était nous, les boat captains. Bah, on allait sur le terrain faire les prises en main des bateaux, ce qui nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait. Ouais. Et au fur et à mesure, on a développé le réseau, on l'a professionnalisé, surtout en faisant des retours d'expérience de partout. On a une formation hyper complète et on accompagne day to day vraiment tous ces boat captains sur le terrain pour qu'ils puissent gérer encore plus de bateaux, pour améliorer les prises en main, pour améliorer la pédagogie lors d'un départ de location. C'est très important pour éviter les problèmes derrière. On en parlera parce que... et ça nous permet aussi d'avoir un œil sur le terrain et d'aller vérifier les bateaux sur le terrain, parce que c'est beau d'avoir une annonce sur Samboat, mais si le bateau correspond pas du tout à l'annonce, à la photo, il est pas bien entretenu, c'est dramatique. On annule la location, mais c'est vraiment pas ce qu'on... Ça fait chier, quoi. C'est une expérience extrêmement déceptive pour le client. C'est pour ça qu'on a ces gars-là, ils vont aller vérifier l'état du bateau sur le terrain et aller les certifier. Il y a, OK, on a vérifié tout l'équipement de sécurité, que l'entretien est bon, que tout est bon, que la pédagogie est bonne, que le bateau correspond vraiment aux photos, etc. Enfin, ils prennent des photos. Ouais. Ouais. Okay. Donc ça, c'est un élément assez différenciant de notre présence terrain avec ce réseau formé qui fait la différence dans les ports. Ils font partie de Samboat, ces capitaines? Ouais, c'est des employés. C'est pas des salariés, ce sont des indépendants, parce qu'ils ont déjà une activité mais ils font partie du réseau Samboat et ils travaillent sur la marque Samboat et ils se présentent comme Samboat. Ouais, parce que ma question aussi, c'est est-ce que c'est un taf à plein temps de faire ça? Non, en général, c'est un taf qui est complémentaire à déjà du professionnel du nautisme. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui a un chantier, qui entretient les bateaux, etc. Il peut le faire, intervenir sur les bateaux. Quand il y a un pet sur un bateau, s'il y a eu un sinistre, il peut le mettre en réparation derrière. Okay. Donc c'est souvent des activités très très complémentaires qui nous on leur permet de leur apporter du business aussi, parce qu'on leur apporte tout un portefeuille de bateaux et eux peuvent gérer aussi les bateaux qui n'ont pas de propriétaire pour les mettre en main. Et ça, c'est le propriétaire qui paye pour le coup, ces captains, ou c'est exactement dans la location globale, pour le locataire c'est invisible et c'est le propriétaire qui paye cette prestation directement au robot de captain. Ok, super. Et alors aujourd'hui, il y a combien de bateaux sur le site? 40 000. 40 000, ok. Ça te fait sourire? Ah, c'est non, parce qu'on est passé, on a passé les 40 000 la semaine dernière. Okay. Donc c'est dingue quand je pense à nos 50 bateaux ou 100 bateaux. La première saison et tous ces bateaux. Je me rappelle avoir appelé les propriétaires les uns après les autres, où chaque propriétaire était une victoire. Ouais. Maintenant, c'est clair qu'on est sur un potentiel, une flotte un peu plus massive, quoi. Et tu le vis comment, ça, cette évolution? C'est drôle, c'est incroyable. Jamais on aurait imaginé ça quand on s'est lancé. Ouais. Et c'est assez dingue de voir que on a des bateaux Samboat partout. Là, on a fait le test pendant le confinement. Est-ce que on a un bateau à moins de 100 km de chez soi? Et de ce qu'on a regardé, apparemment, quasiment partout en France, tu peux trouver un bateau à moins de 100 km, que ce soit les rivières, les lacs, on n'y pense pas, les canaux, canal du Midi, etc. Ouais. Ça fait un maillage monstre.
Et c'est assez drôle de voir aussi quand tu, par exemple, tu vas sur le bassin d'Arcachon, bah, tu vois, sur le banc d'Arien, ça, c'est un bateau symbote, ça, c'est un bateau symbote, ça, c'est un bateau symbote. Et en plus, on les commence à les connaître au bout de quelques années. Ouais, ouais. Enfin, c'est un bateau symbote, c'est un bateau loué par symbote. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ils vous appartiennent pas tous, sinon, ouais, ça ferait une flotte un peu, ça ferait un peu de pépette, ouais, quand ouais, même. 40 000. Et vous êtes présent dans combien de pays? On peut louer dans combien de pays? 76 pays. 76. Ok. C'est énorme. Je suis incapable de tous les nommer. Ah non, mais je vais pas te le demander, ce serait peut-être un peu trop long. Mais ouais, c'est drôle de voir qu'on a des bateaux partout, paumés dans tous les sens, quoi. C'est génial. Ouais. C'est génial. Toi, tu l'utilises? Tu m'avais dit même que tu mettais ton bateau ou bateau d'ami ou... Alors, moi, j'ai voulu voir un peu plus l'expérience d'un propriétaire, qu'est-ce que ça donnait. Donc, j'ai acheté un bateau et je l'ai mis en location pour voir un peu comment ça marchait. C'est hyper intéressant d'être de l'autre côté, donc d'être propriétaire, de pouvoir gérer ses demandes de bateaux. Donc avec tous les flux des locataires qui posent leurs demandes, qui posent leurs questions, etc. C'est drôle. Et ça marche hyper bien, le bateau est loué, il permet de payer tous les frais du bateau. Donc je suis hyper content. Et géré par un boat captain aussi, qui permet de voir toute l'expérience de A à Z. Parfait. Mais aussi, je l'utilise beaucoup côté client locataire, parce que quand on a un bateau, c'est bien, mais ça marche que pour un besoin que t'as, avec un nombre de personnes limitées, etc. Alors parfois, je veux aller au parc, au Cap Ferret, et parfois on est plus nombreux que 6, le nombre de personnes que peut accueillir mon bateau. Donc on loue à chaque fois plein de types de bateaux différents. Les bateaux moteurs, c'est sympa, mais les voiliers, c'est encore plus cool comme expérience. Parfois, on prend des bateaux pour le wake, qui font des vagues pour faire du wake surf. On va tester notre service partout. Chaque année, on part en croisière avec une partie de l'équipe où on est sur des voiliers avec des skippers. Week, c'est ça? Exactement. Ouais. On a fait la Grèce, la Croatie, la Corse, les îles de Porquerolles. Enfin, c'est incroyable et c'est un bonheur de pouvoir utiliser son service. Mmh. Ça permet aussi de voir les défauts qu'il y a dans ton service. <ça. rire> Tu vas incognito quand tu... Toujours client mystère. Ok. Toujours. Surtout ne rien dire, ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne pour une vraie expérience client. Et c'est comme ça que on enchérit à chaque fois l'expérience client. Mmh. On enrichit, pardon. Ouais. On enrichit l'expérience client à chaque fois. J'ai vu que j'avais compris le terme, j'ai pas rebondi, excuse-moi. Ok, c'est canon. Et alors, plus belle expérience en bateau? Plus belle expérience en bateau, c'est quand on avait fêté la levée de fonds de la Maïf, 1 million d'euros, avec toute l'équipe. On avait pris les chalands ostréicoles où ils te proposent. Donc c'est les chalands avec une énorme place à l'avant où t'as plein de transats, etc. Ils te proposent de faire la dégustation d'huîtres sur le chaland avec barbecue, etc. Ouais. On a une soirée merveilleuse. Il devait faire 35 degrés, coucher du soleil sur les cabanes chanquées. L'eau hyper chaude, enfin c'est bonheur royal quoi. Tu m'étonnes. Le pied. Il y a 2 semaines, j'ai interviewé Joël Dupuche pour le coup. Donc t'as peut-être mangé ses huîtres, je sais pas, mais ça un beau mélange de tout ça. Jamais encore, mais enfin je veux pas ma connaissance. Mais ouais, c'est des expériences qui sont absolument fantastiques et t'as l'impression d'être une espèce de privilégié de faire ça, alors qu'au final c'est plutôt accessible parce que quand tu divises le prix de la location d'un bateau par 6, tu peux t'en retrouver à 30-40 euros par personne, ce qui me paraît quand même plutôt raisonnable pour une expérience qui est waouh. Quand t'as tout qui est aligné, le beau temps, le soleil, la bonne humeur, etc. Vraiment tout est aligné et qu'il est frais, c'est bon, c'est parfait quoi. C'est le rêve. Ok. Canon. J'ai vu vous avez un blog sur le site qui est très sympa. Vous donnez plein de tips et sur les plus belles plages aussi accessibles en bateau. Ouais. Est-ce que ça t'en as quelques-unes en tête? Ouais. Pas. Alors aussi bien. Bon, on a le banc d'Arguin ici, mais après peut-être s'éloigner un petit peu plus. Je trouve ça sympa. On peut. Les gens vont peut-être bouger cet été en dehors du Sud-Ouest, donc. Non, c'est vrai qu'en bateau, t'as la possibilité d'accéder à des plages qui sont très peu fréquentées parce que parfois accessibles qu'en bateau. Et je pense aux îles de Porquerolles qui sont très connues, mais absolument incroyables. T'as l'île du Frioul en face de Marseille aussi, qui est hyper hyper sympathique. En Corse, alors c'est loin des plages, c'est les Calanques de Piana
et la réserve de Scandola. Absolument fantastique. C'est un émerveillement que de voir quelque chose pareil. L'île de Groix aussi, okay. qui est extraordinaire. Et après, en fait, il y a plein d'endroits cachés et je suis déçu qu'on en répertorie pas suffisamment parce qu'il y en a énormément qui sont fantastiques. Est-ce que c'est pas plus mal au final, parce que si on les répertorie pas, bah ce qui fait que ça garde leur intimité. Mais ce qu'on utilise aussi beaucoup, c'est une application qui s'appelle Navili, ouais. Qui est une sorte de TripAdvisor des spots mouillés. Okay. Cool. Une appli collaborative des Français qui font ça. Donc on y est. Sont partenaires aussi de Sambot. Okay, cool. Et en fait, on conseille, ça fait partie de l'expérience client, on conseille de télécharger cette app-là pour trouver les meilleurs spots de mouillage à côté de là où on a loué le bateau. Et aussi, on fait pas mal d'itinéraires qu'on conseille pour une journée ou pour une semaine, pour justement conseiller nos utilisateurs sur les spots les plus sympas où aller. Parce que c'est ça qui est fou, c'est quand tu loues un bateau, si tu connais pas la zone, tu sais pas forcément où aller, quoi. Et il y a très peu de guides qui t'expliquent: tiens, tu peux aller là, c'est sympa, ça sert en fonction du vent, ça peut être cool. Ça, c'est marrant parce que t'as un mec qui te vend des pizzas sur l'eau, par exemple, tu vois, sur les îles de Lérins, t'as un énorme catamaran avec un mec qui te fait des pizzas sur le catamaran. C'est énorme. T'as plein de petites choses quand même cachées comme ça qui sont lunaires et qui font partie d'une expérience riche quand tu fais du bateau. Moi, je mettrai le lien comme ça pour ceux qui veulent louer déjà un bateau sur Sambot cet été. En plus, ils auront tous les liens pour en profiter pleinement, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le bateau? Le sentiment de liberté et le côté convivial. Moi, faire du bateau seul, ça m'éclate pas plus que ça. Alors, il y en a qui aiment beaucoup ça, beaucoup plus solitaire. Mais le partage en bateau, c'est que tu vis des expériences qui sont très fortes. Ça, c'est assez proche de l'entrepreneuriat au final. Avec des hauts et des bas, tu peux faire des vrais frayeurs aussi en bateau. Ça peut être très rapidement dangereux, mais t'as des expériences d'une intensité où on déconnecte totalement de la réalité de ton quotidien. Ouais. Et c'est pour moi le meilleur moyen de s'évader en fait facilement, quoi. C'est t'as un espèce de sentiment de liberté et de convivialité avec tout ton équipage où t'es isolé en fait. C'est aussi la voie maritime, quand t'es sur un bateau, c'est le droit du pavillon auquel est rattaché le bateau qui vaut sur le bateau. Donc t'es une sorte de mini état sur un bateau, mais ça vaut aussi pour les responsabilités, c'est-à-dire qu'un chef de bord a une responsabilité quasiment illimitée par rapport à l'équipage, c'est-à-dire qu'il doit assurer la sécurité de l'équipage qu'importe ce qui passe sur le bateau, quoi. J'allais faire le lien avec le capitaine d'un bateau et le chef d'entreprise. C'est exactement ça. On est, c'est très proche, ouais. Avec une responsabilité illimitée aussi. Tu préfères laquelle? Celle de capitaine de bord ou de chef d'entreprise? Les deux sont proches, les deux sont stimulantes. Les deux, mon capitaine. Ah, je suis mauvais. Les deux, mon capitaine. Ah ouais, putain. Je te l'apporte sur un plateau, je rigole. Les deux, mon capitaine. Bah oui, bien sûr. Ouais. Si tu peux nous expliquer comment ça se passe, faut télécharger l'application. Ouais. Ou pas forcément. Sur la plateforme, ça m'a. Okay. En fait, c'est soit le site, soit l'application. Ouais. Le site est parfaitement responsive, il marche très bien aussi sur mobile. Alors j'ai vu, excuse-moi, et je te coupe parce que j'ai vu 5 étapes pour le propriétaire d'un bateau et 5 étapes pour celui qui veut louer. Est-ce que tu peux nous expliquer comme ça qu'on comprenne bien qu'on est un bateau ou qu'on a envie de louer et comment ça fonctionne? Je vais commencer la partie locataire. Yes. Quand tu veux louer un bateau, c'est tu recherches un bateau, tu rentres la localisation, tu rentres les dates, le type de bateau que tu souhaites, et là t'as tous les bateaux qui s'affichent avec le tarif du bateau et sa disponibilité. Quand un bateau te plaît, tu fais une demande de location. À ce moment-là, le propriétaire peut accepter ou refuser la demande de location en fonction de ton profil. S'il accepte, tu payes en ligne. Donc la réservation est confirmée et le jour J de la date de départ de location, tu fais l'état des lieux, tu signes le contrat de location et c'est parti pour un moment de plaisir. Okay. À la fin de la loc, tu laisses un commentaire, tu fais l'état des lieux et le contrat bien entendu et tu laisses un commentaire sur la location. Okay. Côté propriétaire, c'est tu déposes une annonce
en ligne en remplissant toutes les caractéristiques, les photos de ton bateau, tu définis les tarifs. Ouais. Tu dis si tu as besoin de l'assurance ou tu es déjà assuré pour ton activité de location. Ton bateau est en ligne, tu reçois des demandes de location, tu peux les accepter ou les refuser en fonction du profil et tes disponibilités. Mmh. Et le jour J, bah, c'est parti pour la même chose. Contrat de location, rencontre avec le locataire. Point important, pédagogie avec le locataire, ouais, sur, ouais, l'utilisation du bateau, mmh, sur les points dangereux dans un port ou mouillage, et explication de la zone de navigation. Surtout sur le bassin. Ça a son importance, je crois. C'est impératif. Et après, c'est parti pour le départ de location. Au retour, la même chose, contrat état des lieux. Et il laisse aussi un commentaire sur le locataire qui a loué, mmh, le bateau pour attester que ça s'est bien passé avec le locataire. Okay. Ce côté communautaire est hyper important. Aujourd'hui, on a 70 000 avis quasiment. C'est énorme. De personnes qui se sont échangées des commentaires. Ok, cool. C'est bien. Et la note moyenne est de 4,9, ouais, sur 5. Ouais. Tout le monde nous demande, mais on est d'accord, c'est des faux avis. Vous Et ben non, non, ce sont des avis réels, à notre plus grande surprise. Et on était en train de se demander comment on allait pouvoir afficher une note plus basse parce qu'elle est tellement élevée qu'elle paraît fausse. Ok. Ouais. Merde. Donc, va falloir qu'on détériore notre service. Le comble. C'est dingue. Hein. On n'y croyait pas. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. C'est ouf. Ok. Et ouais, moi je trouve ça dingue qu'on puisse louer un bateau sans permis. Ouais. T'en penses quoi? Parce que, on parlait du bassin justement. Mmh. Il faut quand même connaître. Déjà, faut connaître tribord bâbord. Enfin, hein, essence de priorité. Il y a quand même des choses qui sont. Enfin, j'ai mon permis bateau pour le coup. Et en plus sur le bassin, alors, j'ai jamais navigué sur le bassin. J'ai plus l'habitude de la Corse. voilà. Les parents qui sont plus adeptes de la Corse. Et je trouve qu'il y a plein de choses à connaître en fait. Bah, c'est comme tu l'as dit en fait, le permis bateau n'atteste pas de connaissances. Ouais. Il atteste juste un minimum de pratiques et de règles, de priorités et de grandes idées sur comment manœuvrer un bateau. Mmh. Mais pourquoi il n'y a pas de permis sur un bateau, enfin sur un voilier notamment, parce qu'il nécessite une somme de connaissances et de pratiques tellement importantes que je pense qu'un permis serait très difficile à mettre en place, à obtenir et extrêmement onéreux à obtenir. Donc c'est pour moi le permis c'est juste une autorisation pour avoir une base pour, ouais, pouvoir prendre un bateau, mais n'est pas du tout suffisant en termes de connaissances pour pouvoir naviguer avec un équipage, surtout étant donné de la responsabilité que prend un chef de bord quand mais il y a beaucoup d'irresponsables. Il loue un bateau. Enfin, je sais pas. Enfin, j'imagine que vous avez des cas. On a quelques irresponsables, ouais, pour une majorité quand même, ouais, de écrasante de personnes responsables. Mais effectivement, on a parfois plus de personnes irresponsables sur un bateau moteur parce que plus puissant avec une capacité d'aller vite. Ouais. Très rapidement, là où un voilier, ça nécessite beaucoup plus de connaissances. C'est vrai. Mais par contre, il existe vraiment des bateaux sans permis, hors voilier, qui ne nécessitent pas des permis, des bateaux moteurs, qui ne nécessitent pas de permis. Et c'est des bateaux dont la puissance est inférieure à 6 chevaux. Ouais, donc c'est des bateaux qui vont globalement très doucement et qui présentent beaucoup moins de risques. Ouais. Pour l'entourage quoi. Ok. Ouais. Mais oui, pour prendre un bateau en autonomie, il faut avoir de bonnes connaissances. Être surtout de la pratique, mais ouais. Ouais. Les deux quoi. Ouais. Ouais. Quand je dis connaissances, c'est de la pratique. Ouais. Pour pouvoir manœuvrer un bateau et aussi faire preuve de beaucoup d'écoute, c'est essentiel au moment de la prise en main du bateau, ouais, parce que on voit souvent des personnes qui se sentent expérimentées, qui sont très expérimentées même souvent, ouais, mais qui s'affranchissent d'écouter les conseils qu'on leur donne et se retrouvent dans des situations bloqué sur le banc d'argue, quoi. Voilà. Ou pire, qui rentre dans un autre bateau. Enfin, ah, ça peut arriver. Ou dans, okay, un ponton. C'est quoi, mais c'est d'ailleurs parfois même les plus expérimentés ou
ceux qui ont le plus d'agrémentation, qui posent le plus de problèmes, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, parce qu'ils disent tout savoir, donc au final, ils s'affranchissent encore plus, quoi. Ouais. Bah, par exemple, on avait l'exemple assez drôle je me rappelle plus, de la sécurité, de la navette sécurité sur Arcachon, ceux qui essaient de faire respecter un petit peu l'ordre sur le port d'Arcachon, qui ont du boulot, et qui, pendant un tournage, ont fait une mauvaise manipulation et qui ont foncé plein de balles sur un ponton. Ils ont tout esquinté, heureusement, il n'y a pas eu de mort ni de blessé, mais on voit souvent que ça peut être souvent les plus expérimentés qui peuvent faire les plus grosses erreurs. Ok. pas trop prendre la confiance, quoi, quand on a un bateau. C'est surtout exactement, ça. Exactement. C'est ça le plus important, au final, parce que. Être navigateur, c'est beaucoup d'humilité. Ouais. C'est accepter que la force de la nature soit beaucoup plus forte que tout ce que tu pourras envisager et que c'est sur un bateau sur lequel il peut y avoir des facteurs extérieurs qui peuvent être rapidement dangereux. Mmh. Donc c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation et beaucoup d'humilité. Ouais. C'est clair. Pas vouloir la contrôler parce que de toute façon c'est pas possible. Si on se met dans ce mental là. Mais savoir l'observer et s'adapter autour de ça. Ouais. Et prévoir et anticiper aussi. Énormément d'anticipation. Ouais. C'est clair. est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, est-ce que t'as toujours été sur la voie, tu t'es dit comment dire, je continue comme ça se passe bien, ou il y a des moments où tu t'es dit non, j'arrête tout, j'en ai marre? À peu près 150 fois dans l'année, je pense, je dois avoir des j'en ai marre. Une fois tous les 3 jours, c'est pas mal. Ouais, bien sûr, c'est la vie d'entrepreneur, il y a des hauts, des bas. Ouais. Tout n'est pas rose, bien entendu. Mais tant qu'on est animé par cette envie de faire progresser les choses et de se rendre compte que tu apportes quelque chose à la société d'un point de vue global, que t'as permis à des milliers de propriétaires d'amortir leurs frais et des milliers de personnes de pouvoir découvrir le nautisme et de réussir à toujours à démocratiser le nautisme, c'était notre leitmotiv initial. C'est suffisamment plaisant pour pouvoir contrebalancer les moments durs qui arrivent régulièrement en vie d'entrepreneur. Ouais. c'est ça ce qui t'anime pour le coup, c'est vraiment ce côté, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent profiter de ce... Qu'on est en train de changer le nautisme et d'accompagner cette mutation du nautisme qui est en train de s'ouvrir. Avant c'était quelque chose de très élitiste, où il fallait avoir beaucoup de connaissances, avoir les moyens, avoir un bateau, etc. Où là maintenant justement avec la location avec Skipper, avec des prix assez attractifs et le fait de pouvoir trouver un bateau un peu partout, on essaie de changer ce mindset vraiment des personnes en disant mais c'est possible de pouvoir naviguer, c'est pas que pour les riches connaisseurs, quoi. C'est accessible à tous et on le voit que t'as de plus en plus de personnes sur l'eau avec des nouveaux profils à qui il faut apporter une pédagogie aussi très importante de l'esprit qu'il faut avoir en mer, sur un bateau, et pas faire n'importe quoi, et pas aller dans tous les sens, et avoir cette humilité-là et cette observation-là qui est absolument nécessaire en bateau. Ouais. C'est clair. Et c'est quoi ce nouveau profil ? Alors c'est difficile de faire un cas général, mais oui, beaucoup plus jeune. On se rend compte qu'on on attire vraiment une population à 18-40 ans, alors que le nautisme était essentiellement plus de 50 ans, clairement. En général, c'est t'as la maison, t'as les voitures, t'as la maison, puis après, si t'es triste, t'achètes t'as le bateau. C'est ça. on attire un public beaucoup plus jeune et justement qui ne connaissait pas le bateau et qui sont émerveillés par l'expérience que c'est. Et moi, je crois beaucoup à l'intégration, à aller beaucoup plus loin, à des enfants en difficulté ou des personnes qui ont une vie difficile avant, de pouvoir leur donner cette opportunité de s'évader en bateau. C'est ce que font beaucoup d'associations qui le font de façon extraordinaire. Et je pense que c'est justement un moyen de s'aérer l'esprit, de s'ouvrir vachement l'esprit et de découvrir un nouveau monde auquel ils étaient complètement extérieurs. Okay. Quoi. Ça marche. Comment tu progresses? À titre personnel ou... Les deux. Titre perso, titre pro. Alors, à titre perso, on a fait tellement d'erreurs, de choses où on s'est planté, que
on apprend très rapidement. C'est ça qui est bien. Et ça nous apprend à éviter de les reproduire. Je pense que je progresse énormément en tant que manager, parce qu'au début c'était un boulot de bootstrapper qui devait aller dans tous les sens, bon dans tout, mais pas vraiment expert, et réussir à bricoler. C'est plus un boulot de bricoleur. Ouais. Où là, c'est plus un boulot de structuration, de management, d'accompagnement des personnes, de réussir à se faire bien à être bien entouré et de faire surtout progresser les collaborateurs, okay. Ce qui est un élément clé chez Sambot. Et on voit, on a eu beaucoup de stagiaires qui sont passés dans l'entreprise et qu'il n'y a pas plus grand plaisir quand ils te disent que leur expérience a été formidable et qu'ils ont appris énormément et qu'ils en sortent différents. Et ça, ça fait partie de ces petits bonheurs d'entrepreneurs. Ouais. Carrément, tu m'étonnes. Mais oui, progresser beaucoup en tant qu'entrepreneur, c'est clé. Et on continue toujours à apprendre et on continue toujours de faire des erreurs, même si c'est plus les mêmes. Et la boîte progressait, oui, parce que là on a mis le pied dans l'international où ça a pris, on a fait tous les efforts qui étaient très lourds pour que ça soit adapté, pour que ça soit structuré et qu'on se fasse connaître. Et là on voit que ça commence à avoir l'effet un peu boule de neige de prendre effort très lourd en termes de quoi? Pardon? Quand tu dis effort très lourd. C'était tout ce que je disais tout à l'heure, hein, d'un point de vue technique, okay. Pour s'adapter, d'un point de vue aussi process, de mise en place de toute une structure internationale où maintenant la plupart de nos équipes sont polyglottes, donc c'est assez marrant d'avoir maintenant des personnes qui ne parlent plus français chez Sambot, ah ouais, où on commence à s'habituer à que la langue par défaut soit l'anglais. Okay. Ah ouais, là on a passé une step up là. On commence gentiment, ouais. Mais on sait qu'on va devoir se diriger là-dessus. Okay. Ça va être la norme demain. Les mails en anglais. Donc on a commencé avec l'intégration du groupe, à faire tous les mails, les calls, ouais, les machins en anglais. C'est aussi un bon entraînement de se défendre ses idées, des stratégies, des points de vue très précis en anglais, de réussir à les exprimer et se faire comprendre. Ah, c'est clair, c'est énorme. Okay. Parce que vous êtes combien là aujourd'hui? Je sais pas si on est une trentaine, okay, à peu près dans la société. On monte à un peu plus 35 dans l'été, forcément, parce que c'est une activité très saisonnière. C'est sûr. Et c'est quoi la suite pour Sambot? Conquête du monde. Espérer, ouais, c'est ça. Magnifique. Bon, voilà, ça me paraît pas mal. c'est drôle, mais c'est un peu ça. C'est vraiment, on continue notre développement international, où c'est un enjeu clé. Mm-hmm. On continue notre développement avec les professionnels, où on est de plus en plus implanté, on leur propose des solutions de gestion de planning, de gestion de réservation, on va beaucoup plus loin qu'une simple plateforme de mise en relation. Et l'amélioration de notre produit pour que l'expérience soit toujours meilleure année après année, qu'elle soit riche, qu'on soit pas juste à mettre en relation un propriétaire, un locataire. Qu'au milieu, on apporte beaucoup de valeur et ça c'est essentiel, je pense, dans une marketplace pour son fonctionnement. Donc on a un produit qui évolue et qui est de plus en plus plaisant, je trouve, à utiliser, quoi. Okay. Oh bah, très cool. Je compte l'utiliser moi cet été, donc je te ferai un retour. Alors là, je suis preneur. Ouais. On a deux channels feedback et on prend tous les feedback. Okay. On planifie notre stratégie, notre développement autour de ces feedbacks. Okay. Parce que pour nous, tant qu'on n'a pas une satisfaction totale des clients, le bouche à oreille ne va pas fonctionner et la machine ne peut pas dérouler derrière, quoi. C'est clair. Un conseil pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre ou qui commence? Un conseil, j'en aurais peut-être des milliers. Ça dépend du secteur, bien entendu. Dans le secteur du loisir, enfin, alors soit tu prends quelque chose de général, soit sinon le secteur du loisir qui pour le coup te représente un peu plus, mais. Je pense qu'il faut, ça serait. Tu peux en donner 3 ou 5 si tu veux, c'est toi qui veux, il n'y a pas de. Non, c'est toujours se poser la question de la valeur qu'on apporte par le service. C'est beau d'avoir une idée, mais après, vraiment questionner, arriver très rapidement à voir ses utilisateurs et avoir un lien très fort pour pouvoir avoir justement des feedbacks et comprendre où est-ce qu'on peut apporter de la valeur en tant que société. Une simple mise en relation, par exemple, c'est pas suffisant. Mm-hmm. Il faut en apporter beaucoup, beaucoup plus de valeur. Je pense que dans les conseils, c'est surtout aussi bien s'entourer. Bien s'entourer de réseaux d'entrepreneurs. Et c'est là où on a une chance
extraordinaire ici d'être dans l'incubateur dans lequel on a été, d'être avec Yaskapa loisirs en chair, pas loisirs en chair, Yaskapa Monsieur T-shirt et Je Stock, entre autres parmi d'autres qui ont été très proches, et c'est dans l'échange et le partage qu'on a été plus fort et qu'on a été, je pense, plus efficace dans notre développement, et surtout éviter de faire des erreurs qui peuvent être parfois fatales pour l'entreprise. Et tu expliques comment cet écosystème bordelais, aussi, moi je trouve dynamique sur l'économie collaborative. Tu l'expliques peut-être pas, mais... Je l'explique pas, la bière, le vin, à part ça. À part se mettre des tôles ensemble. Mais ce qui après permet de voilà d'avoir quelques idées. Moi, alors, je vais pas dire aux gens de boire parce que c'est pas l'objectif du podcast. Mais ça permet de créer des liens effectivement. Non, des liens et des discussions franches sur comment ça se passe la vie de start-up et d'avoir aussi un soutien parce que tous les autres aussi nous ont vachement soutenus dans les moments difficiles. Donc ça crée une petite famille un peu sympa. Comment, je sais pas, mais parfois la mayonnaise prend, voilà. Okay. Parfait. Ça fait à peu près une heure qu'on est en train d'échanger. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé? Ça va pas me revenir comme ça, je pense pas. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur pas mal de sujets avec toutes les histoires un peu rigolotes. Si, dans les anecdotes un peu drôles, qui sont assez représentatives de la vie d'entrepreneur, c'est au bout de un an ou deux ans de notre début d'activité, on a eu le port d'Arcachon qui a décidé d'interdire la location de bateaux entre particuliers. Sans nous avertir, sans bien entendu nous consulter, et sans raison apparente. Et en plus, qu'il avait fait de façon très discutable sur le point de vue légal. Ok. Donc nous, on s'est pas laissé abattre. On s'est dit, c'est pas normal, c'est un droit de pouvoir louer son bateau. Les plaisanciers ne sont, il y a pas que des riches là-dedans. Il y en a qui ont besoin pour pouvoir garder leur bateau, surtout quand on connaît le prix d'une place au port à Arcachon. Donc on s'est dit, on va pas se laisser abattre. On avait essayé de faire des échanges avec le port, qui bien entendu ne nous a jamais reçus et nous a posé plusieurs lapins au rendez-vous qu'ils avaient planifié. Donc on a décidé de lancer une pétition pour signaler en fait cette atteinte à la liberté de chacun de pouvoir exercer une activité, et ce mouvement est hyper bien pris en fait. Okay. Cette pétition a été vachement relayée, a pris dans les médias, ça a fait mouche et ça a permis de nous faire hyper parler nous, d'attirer tous les médias sur Saint-Baud. C'est la première fois qu'on faisait la une de Sud-Ouest. Okay. On avait notre encart avec nos photos. Ça dingue quand même. Et ça a marché hyper bien. Donc ça nous a apporté énormément de flux derrière. Ouais. On était identifiés comme la location de bateaux entre particuliers, les défenseurs de la location de bateaux entre particuliers. Donc ça nous a fait un gros boost. Là où pour le port d'Arcachon, je pense que ça n'a pas été très facile à gérer. Et aujourd'hui, le directeur du port a changé. On a de très bonnes relations avec eux. On a de très bonnes relations aussi avec les professionnels sur le port d'Arcachon, qui sont tous la plupart des partenaires Saint-Baud. On est étroitement liés avec eux. Et où c'est devenu un des ports principaux où on loue des bateaux aujourd'hui. Ouais. Donc c'est marrant, comme cette menace qui était très forte, où ça aurait pu se diffuser sur d'autres ports, cette interdiction de location entre particuliers. Au contraire, c'est transformé en géante opportunité pour nous, où ça nous a permis d'attirer les médias, d'attirer de la visibilité, d'attirer des clients, et de faire tourner la machine. Ouais. Donc, je trouve ça assez marrant comme anecdote. Et je pense que c'est un peu ça, le combat de l'entrepreneur, c'est de réussir à transformer toutes ces menaces en opportunités. C'est exactement ça, oui, parce que ça aurait pu vous abattre, alors peut-être pas jusque-là, mais ça aurait pu faire très très mal, et au final, vous avez totalement switché pour en sortir quelque chose d'hyper bénéfique, quoi. Ouais. Ok, non, bien joué. Et il y a un facteur chance toujours qui est important. Après, c'est tendre un maximum de perches pour que utiliser la loi des grands nombres pour qu'au bout d'un moment, il y ait de la chance qui arrive, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Faut la provoquer. Ouais, exactement.
Eh ben merci beaucoup. Si ça te va, plaisir, Théo. Tu me dis. Très bien, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci à tous pour votre écoute. Laurent et son associé Nicolas sont capitaines d'un bateau qui navigue vers un horizon radieux et j'aime cette approche d'économie collaborative utile à tous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, partez à l'aventure et échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous! We'll be right back.